La sélection de Laetitia Payet pour les derniers JO à Londres est la preuve la plus récente du travail de fond entrepris par le judo morbihanais depuis plusieurs décennies, car la jeune morbihanaise a pu profiter en son temps du réseau développé sur le territoire pour optimiser le niveau de performance de ses athlètes, et ce, dès le début des années 90, avec une dynamique de regroupement des clubs, principe aujourd'hui encouragé par la fédération. C'était l'idée de mon père en 1989, où on avait des enseignants qui venaient du club, chacun avait sa structure, et c'était un petit peu dommage de faire chacun de notre coin. Donc c'était de regrouper tous les enseignants du judo club, issus du club de Vannes, avec l'appellation judo club 56. C'est une force en fait, ils avaient anticipé un petit peu ce que propose maintenant la fédération, c'est-à-dire la possibilité à des clubs de se regrouper, qu'on appelle nous la double appartenance. Et ils le font depuis quelques années maintenant, même plusieurs années sur les plus jeunes, et ça s'est ressenti sur les seniors, donc c'est un travail qu'ils connaissaient déjà. Les meilleurs jeunes judokas morbihanais volontaires sont ensuite orientés vers le CLE, le centre labellisé d'entraînement du Morbihan, structure présente dans chaque département. L'objectif, c'est de les optimiser au niveau judo, tout en conciliant des études et de pouvoir prétendre pour l'espoir. C'est pour permettre aux jeunes d'assouvir leur passion, parce que dans cette tranche d'âge-là, les jeunes Benjamin Mini, il s'avère qu'au niveau des statistiques en France, c'est là qu'on les perd le plus. Parce qu'il y a les études et il faut combiner ça avec l'entraînement. Donc on les réunit tous à une tranche horaire de 16h30 à 18h. Comme ça, pour les internes, le collège partenaire c'est Jules Simon, sur Val, pour venir à l'internat. Donc ils peuvent suivre l'entraînement trois fois par semaine. Et à 17h30, à 18h30, ils peuvent rentrer dans les salles du collège et faire le devoir. Clé en main, les plus doués pourront alors postuler au pôle espoir. Celui de la Bretagne est à Rennes. Ceux qui rechignent au déracinement trouveront localement d'autres structures pour progresser. On envoie certains athlètes en pôle, mais on a ce qu'il faut aussi au club pour pouvoir leur donner ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire qu'on peut les amener à haut niveau. Parfois, l'encadrement que nous avons au club, il suffit largement à contribuer à leur évolution. Reste qu'au-delà du savoir-faire local, force est de constater que les meilleurs nationaux désertent les régions pour gagner l'Île-de-France. Pour y remédier, le judo morbihanais doit travailler à la structuration d'un grand club privé. Maintenant, on a besoin aussi de partenaires privés. Ça va être la seule solution pour pouvoir avoir un club qui puisse retenir les jeunes, puisque il y a une très bonne école de formation sur la Bretagne, hein, dans les clubs, les enseignants sont vraiment investis. Mais malheureusement, ils voient leurs plus jeunes partir sur une région parisienne où tous les clubs franciliens, financièrement, on ne peut pas les. C'est dur de faire aussi bien que vous.